Bonjour à tous, merci de nous suivre donc, pour cette deuxième journée des rencontres des villes moyennes à Saint-Dizier. Merci donc, pour ceux qui sont dans la salle et bonjour aussi à ceux qui sont en ligne ce matin pour parler du sujet assez actuel aujourd'hui qui est comment travailler avec le zéro artificialisation nette et les friches et comment coopérer entre acteurs, entre élus, entre entreprises pour au mieux les utiliser. J'ai aujourd'hui donc à mes côtés donc plusieurs experts et acteurs de différentes échelles. Donc Lucille Schmitt, vous êtes vice-présidente d'une autre fabrique, la Fabrique écologique, qui a récemment publié un rapport sur le sujet du ZAN et notamment le logement. Donc nous en parlerons. Donc Madeleine Masse, vous êtes donc architecte urbaniste et donc vous avez fondé donc votre propre société qui a donc une méthode particulière dans le travail des sols et l'approche des friches et de l'artificialisation. Donc ce sera très intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet-là. François Bost, vous êtes géographe, spécialiste de la géographie industrielle et l'industrialisation, qui est évidemment éminemment lié donc, à la construction et la création de friches. Et puis Isabelle Spiegel, donc, vous êtes directrice de l'environnement donc, du groupe Vinci, qui est évidemment un rôle très important à jouer dans l'usage des friches, son identification, et puis ensuite la protection de ces stocks de friches, et savoir qu'en faire sur les longues prochaines années. Je vous propose de commencer de bon matin par une question simple avec vous, François Bost. Peut-être revenir brièvement sur ce que c'est qu'une friche, d'où vient une friche. On a forcément l'image d'une friche qui vient d'une désindustrialisation, d'un territoire vacant. Est-ce que c'est aussi simple que cela pour bien cerner de quoi on va parler aujourd'hui? Et ensuite, on pourra ensuite creuser un petit peu sur ces sujets-là. Merci à vous. Bonjour à tous. C'est un plaisir hein, d'être aussi bien reçu et puis dans un lieu aussi magnifique, ça me change des amphithéâtres. On devrait être plus souvent dans les théâtres, comme ça élève. Cette question des friches, j'ai envie de dire que dans la région Grand Est, on n'a pas besoin de définition, la notion de friches, elles sont tellement importantes au niveau national, c'est une autre chanson étant donné qu'il y a des territoires qui ont très peu de friches. Les friches, elles sont apparues par vagues successives hein, au niveau national, au départ avec la désindustrialisation évidemment qui a été assez rampante avant de s'emballer, c'est vrai qu'on a eu une multiplication des friches dans ce qu'on appelle les vieilles régions industrialisées. Les vieilles régions industrialisées, sans qu'il y ait une connotation négative, elles ont connu la révolution industrielle à 3-4 phases différentes, et donc avec un type de bâti, un rapport à la ville aussi qui est spécifique. Et elles se sont multipliées parce qu'on n'a pas eu l'idée au départ de forcément les recycler, les transformer. On a joué la facilité parce que c'est vrai qu'il faut dépolluer, il faut réaménager, et on a continué à construire et à s'étaler, c'était la grande question, le grand thème que l'on a développé hier. Et puis sont apparus ensuite dans les années 80-90 d'autres types de friches en parallèle qui sont venus encore renforcer le phénomène. On a eu des friches militaires avec notamment des infrastructures, des bases qui ont été démantelées. On a eu des friches ferroviaires avec la réduction du réseau ferré national, des friches hospitalières avec des hôpitaux qui anciens et qui ont été soit rasés, soit restés, etc. Donc on a une multiplicité de friches. Alors aujourd'hui, la grande question, c'est que l'on raisonne sur ce sujet alors que nous avons finalement assez peu de données très fiables en la matière. Et la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui dans son chapitre 3 aborde cette question essentielle de la zéro artificialisation nette, c'est une question ancienne puisque déjà ça fait 20 ans hein, qu'on parle de la ZAN, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on aborde cette question de la friche. Or, on manque d'un vrai décompte solide en France, même s'il y a des décomptes qui ont été faits, par exemple à travers les friches qui ont été polluées, et donc là on a un inventaire qui est quand même assez fort, je crois qu'il y a 1800 friches qui ont été repérées, c'est l'ex-base Basol. Voilà. Mais en fait, on a une fourchette très large, entre 90 000 et 150 000 hectares. On a des données peu concordantes et c'est assez gênant parce que, alors d'abord, c'est très difficile de faire cet inventaire. C'est très difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vers 2023-2024, on aura
un inventaire vraiment national avec des données comparables, parce qu'aujourd'hui les données ne sont pas fédérées, ne sont pas comparées, et ça pose problème évidemment pour établir une stratégie. Donc les esprits s'envolent beaucoup sur ce sujet, alors qu'on n'a pas encore l'état exact de nos friches. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont considérables. Ça représente, je crois, 10 fois la surface de Paris. D'accord, très bien, merci beaucoup. Peut-être pour tomber dès à présent en lien avec la visite d'hier, dans l'aspect plus pratique, qui est aussi un des enjeux de ces rencontres. C'est vrai que on n'a pas attendu la loi climat et résilience pour parler de zéro artificialisation. Cette fois-ci, l'objectif est quand même assez fort, c'est de limiter, voire d'empêcher en fait, toute artificialisation à horizon 2050. Et donc l'objectif est forcément une contrainte pour élus, aménageurs, entreprises de ce secteur. Et peut-être on peut commencer par là avec vous, Isabelle Spiegel. Quelle est peut-être la réaction, l'approche du groupe Vinci face à cet objectif, qui forcément est une contrainte, en tout cas à prime abord, et quelle est la méthode enclenchée, et pour les années à venir sûrement, puisque ça ne se fera pas en quelques mois, pour cette appropriation de l'objectif ZAN et la gestion des friches, qui forcément est une solution que vous avez dans le portefeuille des solutions. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, sur l'environnement, il y a quelques années, on considérait que c'était principalement une contrainte. Donc une nouvelle réglementation, voilà, le sujet du ZAN, etc., c'était perçu, on va dire, comme une contrainte. Depuis quelques années aussi, parce que ça fait 3 ans que Vinci a décidé de lancer une ambition environnementale à 2030, en disant c'est un changement de culture qu'il faut qu'on adopte aussi pour nos équipes, de dire c'est à nous d'apporter la solution. Ou une partie de la solution en tout cas, et donc vraiment de transformer le champ de contraintes en diagnostic d'opportunité et voilà, en créativité, en innovation, etc., sur comment on aborde ce sujet-là. Donc finalement, aujourd'hui, sur le ZAN, on a l'esprit de la loi, quelque part, qui est donné. On n'a pas encore toutes les définitions, on n'a pas encore toute la mécanique, mais du coup, c'est génial pour nous pour expérimenter un certain nombre de choses, pour dire, ben, on va tester, on y va, on commence, on fait un certain nombre de choses. Et donc, dans cette optique, d'apporter des solutions, de tester et de définir plus tard des modèles en fait, hein, qu'on pourra généraliser. Alors, je crois que sur ce sujet du zéro artificialisation net, effectivement, on est à la croisée de plein de chemins sur l'environnement, parce qu'on va parler d'aménagement du territoire, donc d'étalement urbain ou autre. On va parler finalement des bénéfices de la biodiversité, mais aussi du stock de carbone dans les sols, de la gestion des eaux, etc. Donc nous, quand on regarde dans un groupe comme le nôtre, des compétences techniques, que ce soit celles-là, hein, sur des écologues, sur la gestion de l'eau, etc., on en a. Des compétences sur la gestion des friches industrielles, la dépollution, la déconstruction, la réhabilitation lourde de bâtiments, la construction, bien sûr, de la rénovation, etc., etc. On a aussi des compétences. Donc finalement, on le prend vraiment comme une opportunité en disant voilà ce qu'on peut faire. Le deuxième volet que je voulais dire, c'est on a décidé en environnement de dire le changement, il passe par la base. C'est pas uniquement à nous en top-down ou à de la réglementation, etc., d'avancer. Et donc on a lancé en 2020 un grand concours interne qui s'appelle le prix de l'environnement. On a eu 2500 actions qui ont été réalisées dans nos différentes entités. Alors c'était tout sujet de l'environnement confondu. Mais le sujet de la renaturation, de la végénération ou autre, c'est un sujet qui m'a surpris moi parce qu'il est venu un petit peu partout. Donc entre des districts de maintenance de Vinci Autoroute qui disent bah nous en fait on a fait un diagnostic, on se dit qu'on peut redonner à la nature 25% de la surface qui était artificialisée quelque part en trop, j'ai pas besoin d'autant de surface imperméabilisée. Entre un Eurovia qui dit bah moi j'ai des bitumes, en fait je suis capable d'en faire des drainants, donc déjà la gestion de l'eau, je suis capable de l'intégrer dans, donc je vais avoir quelque chose de perméable pour gérer l'eau, je peux venir innover et mettre aussi des graines et donc avoir de la végétalisation, etc. Donc on a plein de facettes sur lesquelles finalement les entités s'en emparent, et aussi parce que je pense qu'on a pour une fois le droit un peu d'innover et d'expérimenter. Et le dernier gros volet, c'est quand même Vinci Immobilier, notre promoteur immobilier, qui a décidé d'en faire un objectif stratégique, puisqu'il s'est engagé à être ZAN, donc zéro artificialisation nette, dès 2030. Donc on a l'habitude de dire en interne avec 20 ans d'avance par rapport à la loi. Mais ce, parce qu'en fait,
ils ont des clés. On a déjà expérimenté de la gestion de friches en portefeuille, je pourrais y revenir, et c'est le fait de gérer un portefeuille d'une cinquantaine de friches qui fait qu'on va arriver à un équilibre économique du projet, alors que certaines sont plus difficiles que d'autres à développer. Le concept du recyclage urbain, voilà. Donc c'est finalement ce qui permet à une entité de dire, ok, moi j'en fais un objectif stratégique, différenciateur, et je veux baser 50% de mes revenus en 2030 sur la base du recyclage urbain. Très bien, merci beaucoup. Pour rester avant d'envisager ce qu'on peut faire d'une friche et quels sont les différents projets, on voit que la friche n'est pas forcément la seule solution aux zéro artificialisation nette. Mais pour rester dans le panorama au début, en introduction de ce phénomène d'artificialisation, Lucille Schmitt, dans un des rapports assez récents de la Fabrique de l'écologie, il était écrit que alors que les causes de l'artificialisation sont très facilement identifiées, on a du mal à mesurer cette artificialisation en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui semble comme un paradoxe, si on comprend très bien les causes, pourquoi ne pas aussi bien identifier les dynamiques ? Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous, comme on dit maintenant. Moi, je crois que dans les deux précédentes interventions, on voit déjà où sont les difficultés à mesurer les choses et à comprendre de quoi ils retournent. D'abord parce que, comme vous l'avez rappelé, ça fait un bout de temps, vous l'avez dit, monsieur, ça fait un bout de temps qu'on parle d'artificialisation des sols, mais dans un milieu qui était un milieu plus restreint, qui n'était pas le milieu... on ne légiférait pas de cette manière. Dans le plan biodiversité de 2018, on parle de l'objectif zéro artificialisation nette. Et puis, brutalement, si je puis dire, par rapport à ce qui se passe d'habitude en politique sur les choses difficiles, en 2021, on décide dans la loi climat et résilience de fixer un objectif extrêmement ambitieux de division par deux du rythme d'artificialisation d'ici 2031. Donc en 10 ans, on va bouleverser complètement la manière dont on conçoit la ville, dont on construit les infrastructures. Et ceci, c'est une sorte d'irruption, j'allais dire, du langage et de la manière de penser des géographes, des architectes et des biologistes dans le milieu politique, avec la difficulté donc à définir un phénomène qui était sans doute considéré comme relativement connu du côté des scientifiques, mais qui du côté des politiques se prêtait sans doute à pas mal d'à peu près. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans les lois qui ont été prises sur ces questions difficiles, très régulièrement, les calendriers qui sont affichés dans la loi sont des calendriers qu'il faut ensuite remettre en cause parce qu'on a été trop conceptuel et pas assez réaliste par rapport aux pratiques de terrain. Alors, pour répondre à la question en ayant posé le contexte, le sujet, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'artificialisation, on parle de phénomènes extrêmement différents. Vous pouvez le voir à travers un exemple. Lorsqu'on dit artificialisation d'un sol, ça peut être un jardin. Parce que si vous partez d'un espace naturel ou d'un espace forestier, le jardin est un espace artificialisé par rapport à l'espace naturel. De la même manière, une maison en pleine campagne, si je puis dire en pleine ruralité, si elle est isolée, selon la manière dont on mesure les choses, elle pourra ne pas être détectée par un certain nombre, parce que les méthodes de mesure de l'artificialisation sont aujourd'hui diverses et pas forcément cohérentes entre elles. Si on utilise par exemple la méthode européenne, qui est une méthode d'image satellitaire qu'on réinterprète à partir des cartes qui existent, des photographies dont on dispose, la maison pourra ne pas être détectée et on aura juste l'idée qu'il y a un espace naturel. En revanche, si on utilise les fichiers fonciers, la maison sera évidemment détectée, elle sera identifiée comme une zone artificialisée. Et donc, on voit bien qu'on a déjà un problème de mesure, et quand vous disiez qu'au fond, sur les friches, les chiffres sont extraordinairement variables, sur le pourcentage, sur la dynamique d'artificialisation des terres, c'est pareil. Selon les données, selon qui parle, vous aurez, pour une année, on vous dira qu'il y a environ 20 000 hectares de terres artificialisées, et d'autres vous diront qu'il y en a 60 000. Donc vous voyez bien que lorsqu'il s'agit du côté de l'évaluation et de la mise en pratique, de passer à l'acte, est-ce qu'on parle de 20 000 ou est-ce qu'on parle de 60 000 ? Est-ce qu'on parle d'une artificialisation très légère comme l'est un jardin par rapport à un espace naturel ? Ou est-ce qu'on parle de l'artificialisation lourde qui crée une véritable imperméabilisation du sol dans le cas d'une infrastructure ? Ça, c'est un point essentiel. Et du coup, ce que disait Isabelle Spiegel sur la question des matériaux est évidemment très fondamental. Ne plus imperméabiliser, c'est fondamental si on veut faire en fait une sorte d'artificialisation plus légère. Mais ça signifie, pour ne pas être trop longue, ça signifie qu'il y a une espèce, il y a
une espèce de gradation dans l'artificialisation qu'il faut prendre en considération. Et il faut également prendre en considération le fait que l'artificialisation crée des effets divers par rapport au sol. Il y a évidemment la perméabilisation, qui est la chose dont on a parlé, mais il y a aussi la disparition des services écosystémiques, avec évidemment le fait que le sol qui est vivant, qui est un espace biologique, qui est biologique, perd ses capacités. Il y a l'étalement urbain dont on a beaucoup parlé hier, mais tout ça, ce sont des effets divers et il faut également les mesurer. Donc on voit que les choses sont vertigineuses. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que de ce panorama vertigineux, on pourrait tirer un sentiment de paralysie, alors qu'au contraire, il faut en tirer une dynamique d'action beaucoup plus rapide. Et donc, c'est ça, tout le bouleversement qu'il faut aussi mesurer, transformation des manières de voir des politiques, de ceux qui agissent, transformation de voir des manières des entreprises, et donc élargissement de la palette des critères de l'action privée et publique, et élargissement de la sociologie des experts. Je pense qu'aujourd'hui, travailler davantage avec des scientifiques, travailler davantage avec des architectes, travailler davantage avec des géographes, c'est quelque chose qui est impératif lorsqu'il s'agit de donner à cette question de la lutte contre l'artificialisation une réalité concrète. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une abstraction, un marché. Je comprends bien l'idée du marché du droit artificialisé parce qu'on voit bien que selon le territoire, les choses sont extrêmement différentes. Mais il faut compléter ça par une approche très concrète, j'allais dire très, très micro-sol en fait, qui permettra de mesurer si l'artificialisation, encore une fois, est légère, lourde et quelle est la gradation pour ensuite apporter les bonnes réponses et ne pas se précipiter sur des chiffres qui en fait donneront le sentiment à ceux qui vivent les choses. Parce que l'artificialisation, c'est un truc qui est vécu par les habitants, qui est vécu par les Français, ceux qui vivent les choses, que là encore, on nous vend du vent, et qu'en fait, on dit des choses, mais on ne les pratique pas. Merci beaucoup. Vous faites une très bonne transition pour finir la présentation du panel avec ceux qui agissent et une action directe et rapide. Je crois qu'il me reste à vous poser une question. Madeleine Masse, vous avez donc très récemment créer votre entreprise donc qui est évidemment fondée sur cette prise en compte du sol comme matière biologique et donc de travailler avec de nouvelles méthodes d'artificialiser ou non. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus justement? Vous faites partie maintenant de ceux qui agissent directement sur les sols. Alors, pour commencer, je voulais évidemment rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un problème de mesure, il y a une sorte d'angoisse aussi sur l'artificialisation. Il faut changer de regard sur le sol. Le sol, on a compris qu'on n'était pas dans un territoire infini, donc on voit ces problématiques de comment on utilise ce sol. En fait, il faut se dire que le sol, c'est notre capital vital, quoi. C'est une ressource, et cette ressource-là, elle doit être regardée à tous les niveaux, avec tous les critères, pas uniquement comme un territoire de conquête pour pouvoir faire face à un accroissement de la population, à une nécessité de loger les gens, etc. etc. Donc ce sol-là, il doit engager une façon de percevoir la conception, le métier d'architecte, le métier de promoteur, d'investisseur, le métier d'élu. Tout ça doit être un peu repensé pour vraiment considérer le sol comme une ressource vitale, quoi. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais insister et qui nous guide dans tous les projets qu'on fait. Et considérer ce sol-là, c'est considérer les bâtis, les mètres carrés de bâtis, les friches, les territoires artificialisés, non artificialisés, avec la définition qui est interrogée, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on peut renaturer ou pas, est-ce qu'un parking qui est déminéralisé a la même capacité, le même biotope qu'il avait il y a 100 ans, etc. Donc quand on aborde la question des territoires à conquérir, puisqu'on est encore dans cette logique-là qu'il faut changer, donc il faut considérer aussi les forêts, les espaces naturels, et tout ça dans un objectif très fort de répondre aux défis écologiques, climatiques et aussi sociétaux. Donc il faut, quand on aborde la question de la revitalisation des territoires ou les fonciers qui sont disponibles, s'interroger sur la place de la forêt, la place de l'agriculture, la place des espaces productifs, la place des territoires qui consomment, et regarder les connexions entre tous ces territoires avec une approche très métabolique. Donc c'est un peu ça qu'en tant qu'architecte urbaniste, on pose sur la table aujourd'hui et on invite l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à réfléchir à ça. Et cette question-là, elle se pose
sur des routes, sur des autoroutes, sur des parkings, sur des zones commerciales. Donc on a pu travailler sur tous ces sujets-là. Voilà, chaque mètre carré compte. Donc le GIEC dit chaque tonne de CO2 évitée compte, bah, chaque mètre carré compte. Et donc sur chaque mètre carré, il faut imaginer ce qu'on peut en faire pour pouvoir réduire la chaleur, répondre aux besoins de logement, développer et cultiver nos forêts, etc., etc. Et ça, voilà, ça va sur un panel de projets. Aujourd'hui, actuellement, je travaille sur les Champs-Élysées à Paris. Donc vous allez me dire, on est très loin du ZAN, mais c'est les mêmes questions, le même soin qu'on porte à chaque mètre carré et son utilité, que ce soit sur les Champs-Élysées, sur la place de la gare à Saint-Dizier ou sur la zone commerciale de Cahors, c'est le même objectif et c'est la même humilité par rapport à cet usage du sol. Parfait, merci. Effectivement, on imagine peu que les Champs-Élysées sont en fait finalement dans une zone déjà très artificialisée, mais on voit qu'il y a il y a évidemment des considérations qui se rejoignent. Ce qu'on comprend de ces premières prises de parole, c'est qu'il y a une grande difficulté de mesure jusqu'à la définition même de l'artificialisation, une difficulté pour suivre ces dynamiques et savoir les mesurer. Pourtant, pour essayer de comprendre aussi le point de vue d'un élu, quand on voit le fonds Friche lancé par le gouvernement, certains projets et la plupart en fait de ces projets ont rencontré un vif succès, en tout cas dans l'inscription et dans l'élan lancé par le fonds Friche. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas un signal que quand on propose un accompagnement à côté d'un développement d'une friche, les élus s'en emparent, les entreprises s'en emparent, et on attendrait peut-être ce coup de pouce, cet élan qui viendrait développer un peu ça. Est-ce que, monsieur Boss, vous avez un aperçu de ce fonds friche qu'on a présenté comme un succès? Faut-il l'étendre? Est-ce que finalement le succès est un peu mitigé? Moi, je le perçois comme un premier élan qui a remporté un engouement assez prometteur, en tout cas pour les années à venir. Oui, d'après mes informations, il doit y avoir à peu près 2700 hectares qui ont bénéficié de ce fonds friche. Ça doit faire plus de 1000 opérations. Ce sont souvent des très petites parcelles. Mais néanmoins, oui, ça a amené, je crois que c'est 600 millions d'euros. Je crois qu'il y a eu une deuxième phase qui a été ouverte. Alors, on se rend compte que, d'une manière générale, c'est vrai que c'est la ville qui doit se réinventer sur la ville. Ça, c'est clair. Et une précision qui doit être faite aussi, parce qu'elle n'a pas été faite. Et je pense que, en France, on a encore un peu de mal à comprendre cet objectif de la zéro artificialisation nette. Je voudrais juste faire un point de précision. On est un pays qui est un des moins densément peuplés d'Europe. 119 habitants au kilomètre carré. Vous allez aux Pays-Bas, on est à 525 habitants au kilomètre carré. Vous allez en Allemagne, on est à 290, etc. Donc on est paradoxalement un pays peu densément peuplé. On pourrait dire, mais on a de la place. Or, ce qui a fait agir l'État, notamment à travers la loi climat résilience, c'est la vitesse de l'artificialisation. On est dans une dynamique qui est unique en Europe. Nous sommes le pays qui artificialise le plus rapidement. On dit souvent que, avec les précautions d'usage, mais que tous les 7-8 ans, c'est la superficie d'un département en fait, qui est artificialisée. Donc c'est d'abord pour réagir face à cette vitesse que la loi a été prise, alors qu'au départ, la ZAN elle a été pensée pour protéger le capital de capture du carbone des sols. On ne sait pas assez que les sols, dans leurs 30 cm, sont un très puissant facteur de stockage du carbone. Et c'est vrai qu'artificialiser les sols ou détruire des sols d'une manière générale, c'est se priver du deuxième facteur de stockage des sols. Donc c'est la raison première qui a été oubliée dans la loi et il faut quand même la rappeler. Alors, en ce qui concerne les friches, c'est vrai que beaucoup de ces friches sont des verrues dans les villes. On le voit bien, il y en a certaines qui, depuis 30, 40, peut-être même 50 ans, on ne sait pas quoi en faire parce qu'on ne sait plus quel propriétaire, ça c'est un problème. Il y a des travaux de dépollution, de désamiantage, de déplombage, de réhabilitation qui sont colossaux, donc qui en prend sa part. Et c'est vrai que pour des villes moyennes, notamment, eh bien, ce fonds friche, il est quand même la bienvenue pour initier un certain nombre de choses. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a vu hier qu'il n'y avait pas que la question des friches, mais qu'il y avait, si on optimisait les logements non occupés, etc., on aurait évidemment un relais très important. Mais très vite va se poser la question de ces friches. Et pour revenir à la question des villes moyennes, c'est sûr que des villes anciennement industrialisées, qui ont un patrimoine très important de friches, elles se retrouvent quelque part sur un tas d'or.
Il faut être clair en la matière. Quand je vois aujourd'hui l'inquiétude de territoires qui n'ont pas de friches ou peu de friches, quelques hectares ici ou là, ça veut dire qu'ils vont être avalés d'ici quelques années, et inversement des territoires qui en ont beaucoup, c'est sûr que ces territoires qui étaient un peu en déshérence, qui avaient du mal à rebondir, ben, se retrouvent avec un élément d'attractivité qui est très fort. Et donc il va y avoir des inégalités, c'est évident, des territoires qui n'ont pas forcément envie de renouer avec l'industrie et par rapport à d'autres qui ont envie de s'y mettre, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des inégalités, et je pense qu'il y aura des compétitions qui vont s'opérer et des arbitrages. Moi, une des grandes questions en tant que géographe que je me pose, sur les, notamment intégrant les questions de réindustrialisation, c'est quels arbitrages vont être faits sur ces friches, parce que les besoins en matière de logement sont considérables. Rien que dans l'artificialisation, en gros, plus de 60%, je crois que c'est 62% pour les études qui s'y sont collées, c'est le logement. Mais il y a aussi tous les autres types d'infrastructures. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette loi, elle a été pensée par des gens qui étaient sur une tendance, qui était celle depuis 20 ans, on avait intégré l'idée de la désindustrialisation comme si elle allait continuer. Or, on voit bien que l'industrie redémarre et qu'elle a besoin d'espaces viabilisés, bien situés, et quelque part, elle se réinvite et se met dans le jeu. Et d'ailleurs, dans les retours qui ont été faits par rapport à la publication des décrets de cette loi, on voit qu'on essaye de temporiser, parce qu'on se rend compte que les questions industrielles n'ont pas été intégrées. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que tout est gravé encore dans le marbre, mais il faut savoir, par exemple, j'étais encore récemment, c'était au mois de juin, avec Mme Pannier-Runacher, dans le cadre d'un... Je fais partie du comité stratégique de territoire d'industrie, on discutait de ces questions, elle nous disait qu'il est très difficile en France d'avoir une superficie immédiatement propre, enfin présente, d'environ 200 à 300 hectares. Et on a loupé l'arrivée d'un très grand nombre de gigafactories qui sont partis aux Pays-Bas ou en Allemagne parce qu'on n'avait pas ces éléments de surface. Quand je vois dans l'agglomération de Reims, que je connais bien puisque c'est là où se trouve mon université, une effets de concurrence qui vont s'opérer, et assez vite les territoires vont devoir statuer sur ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc la notion d'arbitrage entre les usages va être tout à fait importante et cruelle pour certains territoires. Peut-être avant de vous entendre, Lucille et Madeleine, sur l'habitat, le logement et l'artificialisation, Isabelle Spiegel, vous parliez d'une gestion pour le groupe Vinci en stock, notamment Vinci Immobilier. Est-ce que c'est une solution pour ces arbitrages auprès des communes de savoir choisir quel type de friche on renature, on développe en premier? Est-ce que gérer ce portefeuille dont vous parliez, ça veut dire par exemple se donner 5-6 ans, conserver une friche à l'état de friche pour imaginer peut-être dans 10 ans un nouveau développement routier, un nouveau développement de logement, d'hôpital? Voilà, comment vous gérez ce fameux portefeuille qui doit générer beaucoup de convoitises, de concurrence entre communes? Alors, ce qui est certain, d'abord, je voulais rebondir sur la friche est-elle une solution. C'est clair que c'est pas la seule, mais c'est là où il faut démarrer. C'est-à-dire que si je regarde les ordres de grandeur, vous l'avez mentionné, on n'est pas précis dans l'évaluation, mais entre 90 000 et 150 000 hectares de friche. Les 10 dernières années, on a artificialisé 250 000 à peu près. Donc ça veut dire, divisé par deux, qu'il nous faut aller chercher 125 000 à peu près hectares dans les 10 ans qui viennent. Les friches, ok, ça va être le premier endroit où aller chercher effectivement ces hectares pour les 10 années qui viennent. Après, à 2050, par contre, on n'y est pas encore. Donc il va falloir démultiplier les origines, etc. Vous avez mentionné les points qui sont cruciaux, effectivement, c'est l'échelle à laquelle on va gérer ça. Donc comment on réglemente en fait ces friches entre des territoires qui sont pour certains en très grosse croissance démographique, pour d'autres un peu moins, entre de l'industrialisation, etc. Et nous, c'est simplement parce qu'on est un groupe privé, on se dit la partie, quand on réfléchit à un modèle économique, le fait d'avoir des friches un petit peu partout en France du même type, fait dire c'est la gestion de portefeuille qui va répondre à notre question sur le modèle économique et qui donne une clé sur la rentabilité. Donc on a des friches dans certains territoires qui n'ont pas un modèle économique de développement évident du tout, mais qu'on va pouvoir dépolluer, renaturer en partie,
et qui, quelque part, sont de la compensation pour d'autres projets qu'on va pouvoir développer après. Donc ce modèle-là, c'est une approche qui est quelque part globale sur plusieurs territoires à la fois. Et on est obligé de mêler ça avec, quelque part, des approches très territoriales aussi, hein, travailler avec l'aménagement, comprendre. Je pense que vous ne l'avez pas dit comme ça, mais en tout cas, on a besoin d'une approche globale sur l'ensemble de sujets. Quelque part, on l'appelle artificialisation, y compris dans le titre de la table ronde. Ce n'est pas uniquement ça le sujet, en fait. On est vraiment beaucoup plus large. Et même quand on dit tous la même chose sur on ne sait pas très bien compter, on n'a pas les indicateurs, en fait, l'indicateur à suivre, ce n'est pas uniquement l'artificialisation. On voit bien que c'est les services écosystémiques. Si je parle d'un point de vue environnemental, c'est de se dire qu'est-ce que notre territoire, avec son diagnostic de ressources, de compétences également, etc., peut nous apporter. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire, je dirais, le point de départ à l'échelle territoriale, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à disposition et qu'est-ce que je suis capable de développer. Et à partir de là, OK, on a des solutions pour traiter les friches, etc. Voilà. Très bien, merci. Peut-être on peut revenir un peu sur le lien entre logement, artificialisation. On entend souvent parler, on en a parlé hier, la maison individuelle, l'étalement urbain comme une des premières sources d'artificialisation. Lucille Schmitt, c'était d'ailleurs dans le rapport que je citais tout à l'heure, vous identifiez clairement le logement individuel comme une des premières sources et vous appelez à une nouvelle façon de penser sur le logement, qu'il soit collectif ou à nouveau individuel. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur ce futur, et ensuite Madeleine Masse, on parlera de comment loger la population en 2050 à l'horizon ZAN, qui est un autre défi qui nous attend aussi. Oui, bien sûr, je vais répondre à cette question. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que on voit dans ce que disait Isabelle, la question de compenser, et que donc le zéro artificialisation net, je voudrais qu'on soit clair là-dessus, c'est, voilà, il y a un certain nombre de milliers d'hectares artificialisés, et puis on enlèvera ceux qui sont renaturés, et donc c'est une résultante, c'est-à-dire que ça n'interdit pas d'artificialiser, mais ça implique évidemment de renaturer, et ça implique aussi des coûts sans doute plus importants pour les projets, donc ça modifie, ça bouleverse l'équilibre économique des projets qui vont être menés. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que les friches, il faut les dépolluer, quel est le niveau d'artificialisation des friches, etc. Donc pour les entreprises, comme pour les collectivités locales ou l'État, cette question en fait, du financement du zéro artificialisation net, il faut l'avoir en tête, et ça implique évidemment une réflexion stratégique en amont des projets sur leur utilité, qu'on n'était pas forcément habitué à avoir. Moi je dis toujours, parce que je fréquente des activistes écologiques qui ont leur liste des grands projets inutiles à imposer, on en a d'ailleurs souvent parlé à la Fabrique de la Cité, que maintenant il faut travailler sur la liste des grands projets utiles, et que cette question de l'utilité et de l'équilibre économique doivent être pensées. Alors ensuite, pour passer à l'habitat individuel, ce qui est intéressant dans la question de l'habitat individuel qu'on a analysé dans la note de la Fabrique écologique, c'est qu'on voit bien que c'est l'un des principaux sujets d'imbrication entre le rôle des collectivités locales, des acteurs publics, et la question de la société. Pourquoi ? Parce que, c'est une sorte de truisme de le dire, on a la culture de l'habitat individuel en France, on a envie d'être propriétaire, et vous le rappeliez, monsieur, cette question de du rythme d'artificialisation qui a alerté les pouvoirs publics et pas seulement les scientifiques, c'est parce que c'était genre artificialisation, rythme d'artificialisation à peu près 4 fois plus important que l'augmentation de la population. Donc quelque chose d'effrayant. Après, si on avait été aux États-Unis, je ne suis pas anti-américaine, mais est-ce qu'on se serait posé la question, parce qu'on a des espaces immenses, et certes nos espaces sont très importants à l'échelle européenne, mais c'est ni les espaces du Canada ni ceux des États-Unis. Donc voilà, dissociation entre rythme d'augmentation de la population et artificialisation, peut-être parce qu'effectivement on aime être propriétaire individuel, aussi parce que, il faut le dire, lorsqu'on fait un lotissement, la question des infrastructures liées au lotissement, par exemple comment on dessert le lotissement, moi j'ai pas les mêmes chiffres que vous sur la question du pourcentage, c'est un peu inférieur à 50% à mon sens par rapport à l'habitat, et les infrastructures c'est un peu plus élevé, mais parce qu'il faut compter les infrastructures pour desservir les logements, les lotissements, les logements individuels. Donc la question de faire évoluer notre culture du logement individuel, c'est deux choses. D'abord, faire évoluer la question de devenir propriétaire, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ce que dit la note de la Fabrique, c'est que par exemple, comme on le fait à Bruxelles, avec un établissement qui a été créé en 2012, on pourrait dissocier la propriété du sol de la propriété du logement, parce qu'il faut s'habituer à considérer le sol comme un bien commun.
Alors ça peut sembler très abstrait, mais au fond, par rapport à ce que vous disiez, Madeleine, sur le fait du respect du sol et de considérer la complexité du sol et de parler de biotope, peut-être qu'on y arrivera mieux si on arrive à considérer que c'est un bien commun et qu'on a des discussions là-dessus et qu'on a une nouvelle culture scientifique, comme le fait par exemple Marc-André Sellos, qui est un spécialiste des sols absolument passionnant, mais qui depuis 3 ans est devenu une sorte de star, alors qu'avant il travaillait dans son petit bureau du muséum, parce que cette question passionne les citoyens. On se passionnera sans doute différemment sur cette question si on n'est pas propriétaire du sol. Parce qu'on aura là moins une attitude, je dirais, de financière, de valorisation de son bien, que si le bien est partagé. En revanche, on peut bien sûr continuer à devenir propriétaire de son logement. Et ça, c'est un point qui est dissocié, par exemple, dans l'approche belge. Et c'est possible juridiquement en France aujourd'hui que les collectivités organisent ce genre de démarche avec les offices fonciers solidaires. La deuxième chose, c'est évidemment habitat collectif, habitat individuel. Je voudrais quand même rappeler qu'en France, on construit beaucoup de logements sociaux. Ça représente à peu près 25% des logements construits chaque année, et qu'il faut aussi prendre en considération sur le logement social ce respect du fait de réduire l'artificialisation. Mais comment est-ce qu'on transforme notre culture ? Alors, dans la note de la fabrique écologique, ça va sembler un peu, comment dirais-je, un peu un télo. On dit qu'il faut changer le récit sur le logement collectif et la manière de faire la ville. Et notamment, on propose un certain nombre de solutions sur le fait que sur les PLU, qui sont quand même le centre de la compétence des maires, des municipalités, y ait davantage d'associations en amont des citoyens. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce que moi, par exemple, j'ai en tête un exemple d'un village qui s'appelle Saillance, qui est à côté de Valence, où en 2014, une liste citoyenne a gagné et ensuite a voulu faire de la discussion autour du PLU le centre, en fait, de son mandat. Et ils ont perdu en 2020. Alors, et essentiellement à cause des discussions qui sont apparues autour du PLU et des discussions conflictuelles, contradictoires autour de l'habitat, notamment sur l'habitat mobile. C'est-à-dire qu'un certain nombre une minorité a voulu dire on mettra des yourtes, on mettra des choses qui bougent. Et en fait, une majorité, alors c'est 1600 habitants, hein, c'est pas une ville moyenne, mais une majorité des habitants étaient encore très attachés à cette question d'un habitat où on est propriétaire, où on n'est pas dans la mobilité. Et on voit bien comment cette évolution culturel du droit à la propriété, la manière dont on fait logement est aujourd'hui essentielle. Voilà. Donc on peut perdre parce qu'on discute le PLU, mais il faut prendre peut-être le risque de perdre, ou en tout cas le risque de ne pas gagner de la même manière en discutant davantage le PLU avec les habitants pour faire changer l'attitude de ceux qui votent par rapport à cette question de la propriété individuelle. Merci. Alors, Madeleine, donc sur le logement et plutôt l'horizon 2050, et Monsieur Bosch, je vois que vous avez une réaction. Donc, juste après, si ça vous convient. Oui, finalement, la question, c'est comment on va habiter, comment on va accueillir la population en 2050. En fait, c'est parce qu'on peut très bien viser dans les années à venir la nécessité de construire du logement, etc. Mais en fait, il faut essayer absolument de se projeter pour pouvoir activer des indicateurs qu'on connaît aujourd'hui, notamment d'emprise de CO2, etc. Enfin, voilà, en tout cas pour décarboner les territoires. Donc en fait, il faut absolument avoir un regard qui est beaucoup plus large et qui est dans une temporalité plus lointaine pour pouvoir faire une sorte de rétroaction et se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cet objectif-là et pas gérer un petit peu l'urgence et le tout venant. Donc il faut absolument changer d'échelle de temps pour répondre à la bonne question. Et du coup, j'entends que la friche est la priorité, en tout cas le territoire sur lequel on peut agir demain, mais j'ai même envie de dire, avant d'utiliser ces friches, est-ce qu'on ne peut pas regarder le capital bâti existant, comment le transformer, comment le réinvestir, et ne plus être dans cette logique de conquête de territoire, même si c'est des territoires qui sont des friches et qui ont été artificialisés à un moment donné. Il faut absolument se remettre dans cette question du sol qui a un intérêt commun, qui est un bien commun et qui est un capital vital. Et donc avant d'aller encore une fois s'étendre ou réinvestir ces friches, il faut vraiment s'interroger sur le bâti existant. Et ce bâti existant, il n'est pas adapté aujourd'hui, il ne répond pas aux besoins des gens. On voit la paupérisation, en tout cas la vacance qu'il y a dans le parc de logement de certaines villes moyennes, en centre-ville, etc. On a entendu beaucoup parler justement du désir de la maison avec jardin. Mais en parallèle, je ne pense pas qu'il y ait un désir de faire deux heures de voiture tous les matins pour aller à son travail, etc. Donc la question du produit du logement,
la question de sa typologie aujourd'hui, qui est assez codifiée, assez contrastée, elle est en train d'évoluer. On n'est plus sur la maison avec jardin dans le périurbain, on voit que ça pose plein de sujets, ou le collectif, ou le semi-collectif, ou etc., etc. Donc il faut vraiment s'interroger sur les usages, sur la programmation, plus considérer un terrain pour une fonction, construire du logement, dézoomer le regard et regarder quelles sont les fonctions vitales nécessaires pour la ville et pour lui redonner une dynamique et redonner aux gens aussi envie d'habiter dans les villes moyennes ou en centre-ville, en ayant un jardin, en ayant des aménités et des services qui sont désirés, mais sans subir une mobilité compliquée, etc. Donc voilà, ce que j'avais envie de formuler, c'est avant les friches, regardons déjà ce capital bâti et investissons en fait comment on peut le transformer. Il y a une étude qui a été menée à AREP sur la décarbonation de la région fonctionnelle du Luxembourg et on avait fait cet exercice qui paraît peut-être absurde, mais qui est quand même intéressant. On a pris le parc en fait, de logements de la région fonctionnelle du Luxembourg, on a pris la vacance, on a pris aussi la taille de ces logements-là, qui sont beaucoup plus importants que la taille du logement moyen en France, et on a projeté la population en 2050 en intégrant les préconisations du GIEC sur des nouveaux modes de déplacement, des nouveaux modes alimentaires, une nouvelle production agricole, etc., etc. Eh ben, cette population rentre dans les mètres carrés existants. Donc là, vous allez me dire, attention, on ne peut pas faire une méga coloc, Madeleine, c'est complètement utopique, encore une jeune architecte urbaniste qui est complètement déconnectée des réalités de la promotion, des élus, etc. Je pose juste la question. Je trouve que c'est intéressant de se dire, on a sous nos pieds un sol qui est un capital vital, on a des mètres carrés qui sont bâtis, essayons de réinvestir cet espace-là. Très bien, merci beaucoup. François Boss, vous vouliez réagir Oui, je pense que tout le monde a aussi dans l'esprit, je crois que c'était juste avant l'élection présidentielle, la réaction de Madame Emmanuelle Wargon à propos de la maison individuelle en disant dans l'Assemblée nationale que la maison individuelle c'est fini. Quand on a vu le tollé que ça a suscité, je dirais que c'était la révélation en vraie grandeur de l'attachement des Français à la maison individuelle. C'est très spécifique et ça explique aussi pourquoi on a non pas un goût pour l'étalement, mais c'est la conséquence de tout ça. Vous allez en Italie, on a deux fois moins d'habitats individuels, des immeubles, des petits immeubles partout, et dans la plupart des pays européens, c'est la même chose. Donc ça va être très difficile de faire évoluer les esprits. C'est pour ça que, en fait, il y a une irruption depuis quelques années, vraiment une irruption, alors que c'était d'abord dans les débats des scientifiques, de ces questions des biens communs, notamment des questions environnementales, mais à un niveau que l'on n'attendait pas aussi vite. Et on voit bien que cette conjonction des crises, la pandémie, la Covid-19, la crise géopolitique, la transition climatique qui s'invite dans le débat comme jamais jusqu'à maintenant, parce que la zone tempérée était quand même jusqu'à maintenant protégée. Donc il y a cette irruption qui secoue tout le monde. Alors il y a ceux qui se disent « enfin on va en parler », puis ceux qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et on est à un moment de transition. Il faut que ça bascule aussi dans le bon sens, sachant qu'il y a des résistances. Ces résistances, elles seront aussi politiques. Et on voit que c'est un débat qui commence à s'emparer. En gros, comment se fait-il qu'on s'en prend aux petites classes moyennes, leur rêve de l'accès à la propriété? Et je vois déjà certains partis qui vont en faire, comme pour les éoliennes, un terrain de jeu, en la matière, enfin un terrain de discorde. Donc c'est très compliqué. Et le travail de conscientisation est extrêmement important. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne donnait aucune valeur au sol. En gros, il y a des espaces ruraux, allons-y, continuons à nous étaler. On ne peut plus continuer comme ça. On pourrait le faire, mais on va dans un mur. C'est une évidence. C'est pour ça que la France est dans une situation qui est aussi un peu particulière en Europe, parce qu'on a des modes de vie différents, on a un rapport à la densité qui est très différent. On a pris nos aises, il faut être très clair, pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt qui est très fort. Oui, Lucien Schmidel. Oui, moi je voulais dire que c'est pas seulement d'ailleurs l'habitat, la question de l'habitat individuel, c'est globalement, c'est aussi toute l'évolution de notre aménagement du territoire. À la Fabrique écologique, on a fait assez récemment une note sur la question des prairies. Et vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, les prairies, elles apparaissent utiles parce qu'on y met nos vaches. Et par ailleurs, ce sont des puits de carbone puissants. Comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a des exploitations laitières qui ferment chaque année et il y a une diminution assez forte donc des fermes en exploitation laitière parce que c'est un mode de vie extrêmement dur, il faut traire les vaches deux fois par jour, etc. Et la question de l'avenir des prairies est ouvertement posée parce que, d'une certaine manière, s'il n'y a plus les vaches dedans, est-ce qu'on va accepter de garder nos prairies parce qu'elles sont des puits de carbone ?
alors même qu'on est encore, comme on vient de le dire, dans une situation où l'évolution culturelle n'est pas intervenue. Donc la transformation de la manière dont on voit aussi la nature, je voulais insister là-dessus, est essentielle. Il n'y a pas que le GIEC qui a montré que le sol capte le carbone, il y a aussi l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la nature, qui a dit très justement que si on artificialise les sols, on détruit la biodiversité, et donc on est dans une situation où on accélère en fait la crise écologique. Donc on est dans cette situation où il faut qu'on arrive à articuler des choses extrêmement complexes, des univers culturels différents, entre scientifiques et politiques, des temporalités scientifiques, politiques, universitaires, citoyens, élargissons le cercle quand même, des temporalités qui sont aussi très différentes, on n'arrête pas de parler de 2050, on évoque 2031, et évidemment ce n'est pas la temporalité du mandat, et puis on est dans des temporalités aussi de la vie individuelle. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, osons le dire? Est-ce que c'est acquérir sa maison? Mais avoir acquis sa maison individuelle en ayant pris un prêt à 25 ans, 30 ans, et se dire, mais j'ai fait un pari où je mets toutes mes économies et ma maison va perdre de la valeur, parce qu'aujourd'hui, la valeur d'un bien, elle évolue différemment dans une situation où on fait autrement la ville et où on est en train d'imaginer des villes plus vertes. Donc toute cette question du pari, de l'investissement individuel par rapport à l'investissement collectif, donc il faut structurer un autre collectif, me semble-t-il, une autre manière de voir ces enjeux-là, et cette question du bien commun, comme vous venez de le dire, François, c'est un point essentiel, parce que ça nous aidera à dépasser cette vision de je fais mon investissement individuel et je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'investissement collectif, en fait, sur le sol, sur la ville. Donc ça me semble être un point important sur lequel il faut parler, et sur l'artificialisation, il faut reparler de la question des îlots de chaleur, il faut montrer qu'aujourd'hui, si on construit une ville trop minérale, d'une certaine manière, on ne pourra plus y vivre, et ça c'est un deuxième point par rapport à la question de la captation du carbone, c'est aussi comment ça influe déjà sur nos vies quotidiennes. Alors moi je voulais rebondir également par rapport au fait qu'on a déjà du bâti existant, effectivement il n'y a pas que les friches, hein, il y a tout ce qui existe aujourd'hui, et c'est un potentiel formidable. Si on parle des îlots de chaleur, effectivement, ramener de la nature en ville, c'est clé. Et aujourd'hui, on sait faire, on commence à savoir faire, et y compris mesurer. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a un partenariat de recherche, le Lab Recherche Environnement, avec les Paritech. On a développé, avec du coup AgroParitech, une méthode qui s'appelle BioDistrict, qui permet de regarder les services écosystémiques liés à au fait de ramener de la nature en ville. Là où j'étais en fait dans le contraire que ce qu'on fait d'habitude avec la renaturation, c'est vraiment j'ai un milieu où il n'y a pas de nature, donc je pars d'une référence à zéro sur la partie nature, et je vais recréer quelque chose, essayer de mesurer des apports. Donc des méthodologies, on en a. Ce qu'on manque, c'est clairement de visibilité pour nous donner le ton sur l'accélération. On est tous d'accord pour dire, en fait, il y a tout à faire, il faut aller partout. Et en même temps, la plus grosse difficulté, je pense, qu'on a encore en France, c'est qu'on ne raisonne pas encore en approche globale, avec des lots différents, avec des services différents. Et ça nous empêche, en fait, d'avancer. Mais je constate aussi, dès qu'on a des moyens, parce que c'est des systèmes contractuels type CEMOB, parce que c'est rêve de scène urbaine, où on accepte d'innover, parce que c'est Action Cœur de Ville, etc., où on va raisonner un peu plus en approche globale, on a une capacité humaine quand même à faire avancer des sujets qui est formidable. C'est plutôt qu'il faut passer de ces opérations exemplaires à un moment donné où on démontre qu'on y arrive, parce que concrètement, oui, c'est hyper compliqué, mais en fait, quand on se met ensemble là avec un objectif commun qui est de dire je vais répondre aux besoins fondamentaux de loger les gens, et puis il y en a d'autres, hein, les nourrir, la mobilité et les services écosystémiques, on démontre qu'on y arrive, on a une capacité assez forte. Donc ce qui manque, c'est la vision pour effectivement le faire maintenant à grande échelle et dans cet aménagement complet du territoire, et se dire c'est quoi finalement la France de 2050, en fait. C'est ça la question qu'on va poser de manière très générale et qui nous manque pour complètement passer à l'échelle. Alors justement, pour continuer dans cette vision de la France de 2050, Madeleine, je sais que vous y êtes sensible. On a vu que le ZAN était déjà un sujet complexe et difficile à mettre en place, que ce soit du monde public ou privé. Certains maintenant parlent de ZAB, le zéro artificialisation brute. Est-ce que ce n'est pas non plus encore une contrainte magnifique, un obstacle, une sorte de boîte de Pandore qu'on ouvrirait pour complexifier le tout et peut-être encore plus nous ralentir? Alors le ZAB, c'est on pourrait dire c'est carrément de la provoque, quoi, parce oui. Qu'on voit que le ZAN, on ne sait pas trop tous comment l'aborder, donc là on est sur du brut, donc en fait
Voilà, c'est comment on réagit par rapport aux ânes. En fait, le ZAB, c'est l'idée de se dire que, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que le sol, la valeur du sol, elle est extrêmement importante, que brut, ça veut dire que l'usage d'un sol qui est aujourd'hui naturel ou pas artificialisé, ça doit être le dernier recours, et qu'en fait, il faut vraiment considérer le parc existant comme le champ des possibles, réinvestir vraiment tous ces mètres carrés-là, et que ça ne peut pas être un exercice comptable, en fait. Voilà. Aujourd'hui, le ZAN, c'est un exercice comptable. On a le droit de construire, mais en contrepartie, il faut renaturer, il faut essayer de trouver des vases communicants. Je caricature. Mais on ne peut pas considérer le territoire comme un exercice comptable. J'entends la question de d'avoir une approche globale. Effectivement, on revient au mot planification. C'était un mot où on ne voulait plus trop en parler, parce que ça rappelle un peu le pouvoir de l'État sur les territoires. On disait, voilà, la planification à l'ancienne. Il faut avoir une planification écologique. Il faut organiser, justement, notre territoire pour 2050. Ça ne se fait pas forcément à l'échelle de l'État, ça se fait à toutes les échelles, en fait, à tous les niveaux. Donc il faut organiser cette planification à l'échelle des collectivités, des régions fonctionnelles, des territoires. Et en fait, il faut considérer à chaque fois qu'on a du foncier, ou on a des friches, ou on a des endroits où on se dit bah, qu'est-ce qu'on va faire et comment on réinvestit ces sites-là. Il faut avoir une approche qui est vraiment sur la ville métabolisme, qui est développée. J'ai la chance de travailler avec Philippe Cambaretta, donc qui développe ce principe-là, notamment sur les Champs-Élysées. Mais il faut absolument se poser les questions de OK, comment on se nourrit, comment on développe nos forêts, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, on parle de comment on construit, mais comment on cultive nos forêts qui ont une capacité de séquestration de carbone qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc il faut planifier ces choses-là. Et donc il faut regarder, cartographier, non pas cartographier les vides, mais cartographier les pleins. Donc il faut aussi changer notre manière de dessiner. En tout cas, en tant qu'architecte urbaniste, on fait exprès. Moi, il y a plein de projets. Souvent, j'arrive, notamment au Luxembourg, on a des cartes et on nous dit, voilà, c'est comme les SCOT. On nous dit, voilà, on a fait une limite, on a fait un front urbain. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut y aller. Après, on s'arrête parce que quand même, voilà, on se met à la bordure de l'autoroute. Puis à l'intérieur, on considère que de toute façon, c'est du sol qui est artificialisé. On ne peut plus fonctionner comme ça, parce que la limite d'aujourd'hui, c'est l'autoroute, mais la limite de demain, ce sera des terres agricoles, des forêts, etc. Donc il faut vraiment changer la façon de cette approche réglementaire, cet usage du champ des possibles demain, et donc ça passe par la cartographie, etc. etc. Oui, allez-y. Merci Alphonse. Non, moi aussi j'ai envie de réagir parce que je trouve cette discussion à vrai dire assez passionnante. Je voulais réagir à ce que disait Isabelle sur le fait qu'il faut accélérer. Parce que le problème, c'est accélérer pour quoi faire en fait. C'est-à-dire que ça me rappelle, quand vous avez commencé, vous avez dit au fond le rythme d'étalement urbain, et donc je disais c'est 4 fois plus que l'augmentation de la population, donc il y avait un rythme accéléré d'étalement urbain, il y avait un rythme accéléré d'artificialisation des sols, et donc il faut accélérer pour décélérer. C'est ça que je veux dire. Je le dis sans provocation, mais il y a un sujet là-dessus. Anecdote, je participais à un débat organisé dans la prestigieuse école HEC sur la question de la décroissance. Donc on parle beaucoup d'agroparitech, mais y compris dans des écoles où la question du modèle économique est fondamentale. Aujourd'hui, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'économie. Donc l'enjeu, c'est quand même d'articuler économie et écologie, ça me semble essentiel. Et dans la question de donc faut-il décroître, posée par ces étudiants d'habitude préoccupés de comptabilité, je tiens à le dire, et qui donc souhaitent avoir une comptabilité différente, moi je me suis dit, bon, et je dois absolument leur trouver une notion opérationnelle pour leur montrer qu'on peut inscrire une forme de décroissance dans un modèle social commun. Et donc j'ai cherché désespérément, je n'avais pas préparé, parce que je ne voulais pas seulement être dans l'interpellation, et ce qui m'est sorti, c'était le ZAN. Et je n'y avais pas réfléchi avant. Et c'était un débat où il y avait un candidat vert à la présidentielle et un décroissant, et les deux m'ont dit, mais tu dis n'importe quoi, ce ZAN c'est rien. Et je voudrais quand même dire une chose par rapport à ça, c'est qu'on voit que le ZAN c'est quelque chose de puissant, qui pose d'énormes difficultés, mais que ça rejoint quand même ce qu'on vient de dire sur la question culturelle, qui est, au fond, il faut aussi qu'on transforme la façon dont le débat public politique est posé en surplomb, en abstraction, par rapport à la réalité territoriale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire, parce qu'il faut dire noir et blanc, le ZAN, c'est rien. Et tout l'enjeu, c'est au fond de réintégrer la culture de la complexité dans la décision. Vous savez, l'écologie, dès qu'on commence à faire de l'écologie, on dit, ah, c'est la complexité et c'est l'articulation du scientifique et du politique. Sauf que cette articulation, elle n'a rien de naturel, si je puis dire. Et donc, comment est-ce qu'on introduit cette complexité? On vient de voir que notre débat est complexe. Le sol, d'abord, c'est complexe par définition, par nature. Réussir à comprendre un sol, c'est
ça se fait pas en un tournemain. Comprendre le biotope, c'est complexe. Et donc, comment la complexité n'entraîne pas la paralysie par rapport à la décision et au fait d'agir ? Je pense que ce sont des questions aujourd'hui très opérationnelles, mais qui impliquent aussi de transformer le débat public, le débat médiatique, j'allais dire, sur ces enjeux-là également. Osons parler de la question médiatique. Disons qu'aujourd'hui, dans le débat public, la polémique l'emporte sur un débat sur la complexité, et que ça interdit parfois d'agir, parce que, du coup, nos politiques réagissent aussi beaucoup au débat médiatique et qu'on n'arrive pas à rentrer dans cette complexité opérationnelle. Vous voulez réagir ? Oui, sur la question de l'utilité, en fait, quelque part, des projets qu'on est en train de mener et de la fonction, parce qu'elle est centrale, et souvent on l'a oubliée, qu'on soit public, privé, hein, peu importe. Mais voilà, on est en train de faire quelque chose sans réfléchir au fait. Alors là, on l'a abordé correctement sur le logement, hein, c'est bien, il faut un toit pour loger les gens. Les solutions techniques, elles viennent après. Il y a plusieurs formes, effectivement, de logement. On a besoin de la concertation pour aller là-dessus. Et dans toute cette nécessité d'aller plus loin et de complexité, encore une fois, des éléments, on a un rôle, en fait, de concertation fort, de s'allier à l'échelle d'un territoire. Moi, j'y crois énormément. Quand on est en train de réfléchir à la mobilité chez Vinci Autoroute sur décarboner la mobilité, on sort un peu du sujet du ZAN, mais en fait on le fait à une échelle de signer des conventions avec des métropoles et des régions, parce qu'en fait on peut décréter qu'on va faire des parkings de covoiturage, faciliter l'électrique, etc. Sauf que les besoins de mobilité de villes moyennes, de grandes villes du sud de la France, etc., sont pas les mêmes en fonction des usagers. Et ça doit faire partie à nouveau des réflexes qu'on a, de dire voilà quelles fonctions on a besoin de remplir à l'échelle d'un territoire. Donc j'ai à la fois d'un côté le diagnostic ressources, c'est-à-dire quelles compétences, ressources, y compris de potentiel d'énergie renouvelable, minéraux, etc., j'ai sur le territoire. Quels sont les besoins en termes de fonctions vraiment d'utilité à remplir? Du coup, j'ajoute tous les services écosystémiques, le sol pour moi en fait partie aujourd'hui, c'est clairement dans ces éléments-là, et c'est à cette échelle-là qu'il faut raisonner et continuer à s'allier avec des formes de réflexion et contractuelles qui, dans un premier temps, doivent être relativement ouvertes pour nous permettre de réfléchir un petit peu à partir d'une page blanche. Parce qu'effectivement, dans cette nécessaire, je vais continuer à appeler accélération, parce que c'est à l'accélération de l'intégration des enjeux environnementaux, c'est une opportunité assez unique qu'on a de réfléchir un petit peu à partir d'une page blanche. C'est-à-dire que là, quand même, on est dans des temps où c'est pas sympa, on a une guerre, on a une perturbation forte sur l'approvisionnement des matériaux, sur les prix de l'énergie, mais en même temps, c'est nouveau, c'est-à-dire que toutes nos habitudes passées sont en train d'être chamboulées par cette nouveauté. Alors, c'est une situation de crise, mais c'est ça qui nous permet de réfléchir différemment. Donc, c'est le message positif que je voudrais faire passer aussi, c'est comment on s'en empare complètement pour dire, là, enfin, on va être à la hauteur des changements qui sont nécessaires. C'est bien d'avoir un peu de positif face au problème du ZAN. Avant de garder un peu de temps pour quelques questions dans la salle, François Boz, vous aviez une réaction Non, vous voulez réagir? Moi, je voulais réagir sur le message positif. Je pense qu'effectivement, on est dans une période qui est peut-être un petit peu anxiogène, mais en même temps très enthousiaste. Enfin, voilà, on a une opportunité vraiment de réagir et de pratiquer la ville et de s'engager dans cette direction de 2050. On s'est fixé 2050, 2030, 2035. Voilà, chacun un petit peu à son rétro-planning. Mais par contre, c'est le moment. Et je pense qu'on voit aussi, comme dans des villes comme Saint-Dizier, les opportunités, les questions qui se posent sur le foncier, sur cette maîtrise, comment on fait. Et donc, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir se poser ces questions-là. Tous les territoires n'ont pas cette chance-là. Les métropoles n'ont peut-être pas cette chance-là ou la même chance, quoi, les mêmes questions. Et donc, je trouve que c'est très enthousiasmant. Allez-y. C'est une ligne de crête qui est fragile, hein, parce qu'il ne faudrait pas que la crise dure trop longtemps, parce que la crise énergétique et ses conséquences peuvent être désastreuses sur on voit déjà ce qui se passe au Royaume-Uni, là, pour la première fois, les fondamentaux vacillent, donc il y a un vrai questionnement. Mais comme je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut voir aussi les crises sur le plan historique, hein, combien les crises ont été porteuses de bouleversements, parce que on va au-delà des guerres internes et on se focalise sur les vrais objectifs. Là, c'est la conjoncture
conjonction des crises. Sauf que c'est pas, elles ne vont pas s'arrêter là. Des pandémies, on va en avoir d'autres. Il y a 300 000 virus qui nous attendent. La déforestation à l'échelle mondiale nous annonce déjà les prochains virus. Les virologues tirent la sonnette d'alarme. Ce qui s'est passé avec la Covid-19, on l'attendait, les épidémiologistes les attendaient. Donc on va en avoir. La question géopolitique s'invite avec une puissance exceptionnel. On parle de l'hiver, mais on peut parler aussi de l'hiver nucléaire. Enfin, on est dans une situation invraisemblable aujourd'hui, qui remet aussi les choses à l'endroit. Et la question de la crise écologique, crise climatique, crise environnementale, qui s'invite à un niveau, comme je dis, assez inédit, ce sont des effets d'accélération. Quand je vois que des secteurs d'activité qui se modifient, mais avec une vitesse dingue, dans le secteur automobile, par exemple le passage du moteur thermique au moteur électrique, avec des réductions du temps d'adaptation et les défis que ça pose, enfin, c'est invraisemblable les défis qui sont posés aujourd'hui, tous azimuts. Voilà. Et c'est vrai que même si un pays comme le nôtre pèse 4% des effets de gaz à effet de serre, bon, pour autant, il faut qu'il soit leader aussi en la matière. Ce sont des normes, ce sont des activités. On doit montrer aussi le chemin. Et même si nos actions, en fait, c'est ça, nos actions sur le changement climatique global seront assez dérisoires. Mais néanmoins, on doit les faire. Et dans les premiers dossiers, il y a le dossier du sol, naturellement. Non, moi, je voulais dire une chose. Évidemment, je ne vais pas être longue, hein, mais c'est que hier, le maire de Saint-Dizier nous a eu l'eau assez forte finalement. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que notre enthousiasme ne soit pas celui de ceux qui ont le temps en fait et l'argent pour voilà. Donc moi je suis quand même assez marquée par le sentiment que cette question, on l'a abordée de manière culturelle, abordons-la aussi en termes de justice sociale. Justement, monsieur le maire, vous vouliez intervenir? Oui, je vais vous prêter le mien. Merci, pardon de piquer votre micro. Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement. C'est un débat que je trouve absolument passionnant et saisissant parce qu'il il vient nous chercher sur des sujets qui sont cruciaux à la fois en termes d'avenir, mais aussi pour aujourd'hui. Et je voudrais faire deux remarques et ensuite poser un peu une question. Des remarques qui n'ont pas forcément de lien entre elles nécessairement, mais la première remarque, c'est que je trouve que quand on parle de ces sujets-là, et notamment quand vous parliez de la question de la maison individuelle, il me paraît indispensable, et je vais faire comme Pierre, je vais citer un peu Aristote, il me paraît indispensable d'arriver à rendre ces sujets désirables pour les Français. Aristote dit qu'en fait on n'arrivera jamais à éduquer qui que ce soit si c'est pas désirable, si ça fait pas un peu envie. Et donc c'est jamais par la contrainte, jamais par le devoir non plus, ni par la nécessité qu'on arrive à obtenir des résultats qui soient forts. Moi, je crois qu'il faut une forme de planification, une forme effectivement de contrainte, et à la fois, on est 100 fois plus rapide quand soudain, tout ça devient un horizon désirable, pardon, sexy, pour chaque Français pris individuellement. Et effectivement, se projeter à l'italienne sur des petits immeubles où on serait tous serrés les uns aux autres, les Italiens sont super sympas, mais nous, les Français, on est un peu chiants, c'est vrai, donc on n'a pas envie de se coller à notre voisin. Donc, c'est pas désirable pour nous. Je fais une blague là, mais il faut absolument réfléchir à ça, à mon avis. Et si ça le devient, alors le politique y suivra beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand on pense à tous ces sujets, notamment aux ânes, je pense qu'il faut, il faut réussir à ne pas faire une erreur qui a été l'erreur de nos prédécesseurs sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il faut le prendre dans sa globalité. Vous l'avez un peu évoqué à un moment. Quand vous dites ânes, moi j'ai 1000 sujets là qui me viennent en tête. Je dis, attends. Si je veux désenclaver ma ville, il faut absolument que je continue le doublement, pardon, hein, mais d'une partie de la RN4. Sinon, on reste mort. Donc je fais comment? Il va falloir artificialiser certains lieux, certains sols. Philippe Novak, qui est là-bas, on a eu des débats incroyables ensemble. Philippe est maire d'une commune qui est à côté de Saint-Dizier. Et toi, tu dis, moi, ce que je veux, c'est plus d'habitants dans ma commune. Mais les maires ont réfléchi comme ça. Alors je fais comment si je ne peux plus rien construire? Et il faut absolument donc avoir une vision qui soit globale, c'est-à-dire pas seulement penser le ZAN, mais penser une planification
Et j'avoue qu'à mon avis, il en faut. Et en fait, c'est de la stratégie qu'aujourd'hui, au niveau étatique, qui aujourd'hui n'est pas pensée au niveau étatique, à mon avis, qui considère tous les sujets. Et quand on a pensé au logement à l'époque, on s'est dit qu'il faut absolument trouver une maison individuelle pour tous, pour chacun, etc. On a foncé là-dedans. Et du coup, on n'a pas considéré les besoins du sol, les besoins écologiques, les besoins même de réseau, etc. Et donc, on a fait des erreurs parce qu'on a pris le sujet uniquement d'un seul point de vue. Et je pense que pour Lausanne, c'est pareil. Faut prendre le sujet dans sa globalité. Voilà. Et le troisième point, qui n'est plus une remarque, mais qui est plutôt une question, comment faire pour que ce que vous dites rencontre un modèle économique ? À nouveau, j'ai réfléchi à ce que nous, on connaissait ici. Bon, ben, on parlait de l'usine CAS, ITO, 3000 salariés, zéro aujourd'hui. C'est 55 000 mètres carrés de friches. Je parle uniquement 55 000 mètres carrés couverts de friches horribles. C'est 100 ans d'activité économique ici, avec des fonderies, etc., c'est 15 à 20 millions d'euros juste pour dépolluer. Donc on veut absolument, nous on voudrait désartificialiser cette friche ou la transformer, mais c'est impossible, il n'y a pas de modèle. J'ai une autre friche, Renault qu'on connaît bien, pareil, plusieurs milliers de mètres carrés, franchement c'est propre, c'est très bien, c'est amianté, il y a du plomb, c'est l'horreur. Donc, et c'est en cœur de ville, je ne peux pas aujourd'hui le proposer à une entreprise parce que, pardon, ça reste moins cher de construire en périphérie. Le sujet est le même pour le logement. On a de la vacance partout, mais vous le savez, vous voyez ça dans toutes vos analyses. Et dans tous les villages, il y a du logement qui est vacant aujourd'hui en cœur de village. Bien sûr, il n'est pas adapté, mais surtout, ça ne sera, tant qu'on ne trouvera pas un modèle économique, ça ne sera jamais plus rentable de retaper ces maisons, de les transformer pour créer des espaces extérieurs, etc., et que ça corresponde à nos usages. Ce sera jamais moins cher de refaire ça que de construire en périphérie ou même sur des dents creuses qui seraient en cœur de ville. Donc le sujet, il est purement économique, et nous qui nous battons au quotidien sur ces sujets-là, on se dit, purée, mais si seulement il y avait un modèle, si seulement il y avait un modèle, et à ce moment-là, le privé, il irait en courant, parce qu'effectivement, ce serait plus intéressant. Donc c'est peut-être en réfléchissant d'ailleurs à ce que vaudra demain une friche par rapport à la zéro artificialisation nette, et c'est pour ça que le net devient intéressant, c'est que s'il faut construire ailleurs, ça impliquera qu'il faille absolument désartificialiser ici, et donc nos friches commenceront à devenir intéressantes. Alors je pose la question, comment on fait pour faire en sorte que ce soit rentable et que du coup, il n'y ait plus besoin de déployer une énergie folle pour arriver à transformer ces friches et à désartificialiser là où c'est nécessaire. Merci beaucoup. J'ai pas du tout toutes les solutions et je sais qu'il y a une intervention qui va avoir lieu, mais en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est des coûts d'externalité. Hein. C'est-à-dire l'environnement, c'est beaucoup d'externalités. C'est des coûts qui ne sont pas intégrés aujourd'hui aux coûts de marché. Et il va bien falloir, par plein de moyens différents, progressivement les intégrer. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous, on réfléchit beaucoup au modèle économique. On ne va pas se lancer si on n'a pas un modèle économique. On peut expérimenter des choses, tester des choses, mais le but, c'est effectivement que ça suive derrière. Spécifiquement sur les friches, le modèle qu'on a trouvé, c'est la mise en commun. C'est de dire, voilà, je vais travailler plusieurs territoires différents. Il y en a où il y a une grande rentabilité de redéveloppement, d'autres où elle n'est pas là, mais c'est ça qui nous permet d'avoir un certain modèle. Donc ça veut dire, je change les lignes de la manière de raisonner. Ça n'est qu'une solution et elle est très partielle. Mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, le fait de stocker le carbone, ce n'est pas un bénéfice qu'on a nulle part. Donc on parle de valeur ajoutée, mais en fait, voilà, c'est une valeur ajoutée que je ne sais pas mesurer d'un point de vue économique. On n'a pas l'indicateur directement en euros là-dessus. Et c'est des questions centrales qu'il va falloir se poser. Et juste sur le côté désirable, complètement d'accord. Moi, je pense qu'il faut qu'on sache aussi montrer un monde dans lequel, on a réussi la transition et on est quand même dans le confort et heureux, en fait, parce qu'il y a trop d'anxiogènes un petit peu partout, et si on l'aborde sur la contrainte en disant « ne construisons plus », etc., c'est pas du tout la bonne manière. Il y a plein de manières d'atteindre Lausanne tout en disant « bien sûr, on va continuer à loger les gens, les nourrir, avoir du confort, etc. etc. » Non, moi, je veux dire une chose sur liberté et contrainte. Je pense que cette question doit quand même être revue à l'aune de la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que notre vision de la liberté et notre vision de la contrainte, quand on se confronte à des gens qui ont 20 ans, je pense qu'ils en ont une autre appréhension, au moins en partie, et qu'on doit penser les choses désormais en se projetant dans l'idée que certains vivront toute leur vie au temps du dérèglement climatique. Donc la question de la liberté et de la contrainte, moi, je pense qu'elle doit être revisitée. Vous savez, la structuration de la liberté, c'est une structuration
culturel. La liberté de se déplacer, certes, mais comment est-ce qu'on se déplace? Il faut faire des investissements en transport en commun, il faut que tout le monde puisse accéder à la mobilité. Mais ça suppose des investissements collectifs et une réflexion collective. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui liberté et contrainte sans regarder ce qu'on appelle liberté et contrainte dans le futur et comment on ne se crée pas des contraintes qui seront telles qu'on ne pourra plus habiter sur cette terre. Oui, bonjour, bonjour à tous. Richard Papazoglou, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, donc Meuse-Haute-Marne. Je voulais vous poser une question, mais Quentin me l'a piqué, tant pis, la question du modèle économique, merci. Simplement une réaction qui est très positive. Ce matin, je venais avec beaucoup de curiosité, mais avec cette épée de Damoclès que Lausanne était une contrainte. Là, je sors de ces échanges. Déjà, je suis rassuré parce que j'ai entendu des propos qui n'étaient pas hors sol, sans mauvais jeu de mots. Et également, honnêtement, aujourd'hui, notamment la remarque sur nos friches industrielles, on a un territoire quand même, des territoires ruraux avec un riche passé industriel, on a quand même beaucoup de friches. Et là, ce matin, finalement, vous avez réussi à me faire changer mon regard sur quelque chose avant qu'on subissait. Et finalement, aujourd'hui, vous ouvrez une porte sur laquelle, finalement, on peut changer de paradigme et on peut faire dire que nos territoires, effectivement, vous l'avez dit, monsieur, seraient des mines d'or. Donc effectivement, là, on a un vrai boulot à faire, un vrai boulot à faire pour essayer effectivement de mieux communiquer à l'extérieur, de travailler sur un vrai modèle économique. En tout cas, je voulais vous dire merci, parce que ce matin, vous avez déjà réussi à me donner beaucoup de positivité. Merci. Alors, juste, je vais me faire l'avocate des réseaux sociaux. Il y a une question qui nous est arrivée de Mehdi Boukerzaza, qui est architecte et qui demande si la place de la participation citoyenne est bien prise en compte dans la fabrique du logement individuel et collectif et si l'empowerment, incapacitation, on dit en bon français je crois, peut être une des solutions pour la fabrique de la ville 2030-2050. Il donne l'exemple de l'écoquartier Vauban. Moi, je peux dire une chose là-dessus, c'est que pour avoir été dans beaucoup de réunions de quartier, puisque j'ai été élue locale et de démocratie participative, c'est évident que les citoyens sont insuffisamment associés à cette question de l'élaboration de la politique du logement, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le PLU. En revanche, l'enjeu, c'est quand même que ce ne soient pas toujours les mêmes citoyens qui se déplacent, et la difficulté, c'est que ceux qui sont actifs, ceux qui vont travailler loin, etc., ils ne viennent pas souvent à ces réunions de concertation. Donc il y a toute une question pratique, en fait. Tout à l'heure, vous nous avez invité à ne pas être hors sol, une question pratique sur l'organisation de la démocratie. Et puis, il y a un sujet sur le fait que ça intervienne suffisamment en amont pour que ça ne soit pas des réunions parce qu'il faut le faire. Vous savez, Chantal Joanneau, qui préside la Commission nationale du débat public, a alerté à plusieurs reprises ces derniers mois sur le fait qu'on ne pratiquait pas assez la démocratie, enfin que c'était des droits, l'information et la participation du public, en disant au fond c'est jamais une perte de temps, mais il faut la situer au bon moment. La situer au bon moment et la situer avec des modalités pratiques qui font qu'on aura envie d'y aller, y compris si on se dit c'est compliqué d'y aller, alors que ça reste encore trop souvent le lieu où on se dit ben, il y aura encore les mêmes et ça sera encore ceux qui représentent un segment ou du NIMBY, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est une question très pratique, en fait, à se poser quand on est maire. Et peut-être aussi que des citoyens viennent apporter leurs solutions en disant on veut organiser des débats, pour répondre à cet architecte, mais dans lequel ça ne sera pas toujours les mêmes et on élargissera la communauté de ceux qui sont impliqués. Le bien commun, ça se construit avec tout le monde. Madeleine, vous voulez dire un mot? Ouais, un petit mot rapide. Je pense que on l'a vu sur Luxembourg en transition, on avait un conseil citoyen en fait qui était associé à la démarche. Donc on peut plus réfléchir à la fabrique de la ville sans les citoyens. On a parfois souvent en tête la réunion à 21h dans la salle des fêtes de la commune. Voilà, donc c'est la concertation citoyenne, c'est ça, mais c'est pas que ça en fait. Il y a aujourd'hui plein de formes d'associations, de concertations. Vous avez parlé de justice sociale, c'est absolument indispensable que les citoyens soient associés à ces démarches de planification ou de stratégie territoriale. C'est le cas, ça doit l'être plus. Et en tout cas, il y a des méthodes plurielles et très diverses, par les réseaux sociaux notamment aussi, de pouvoir récupérer les besoins, les idées, les initiatives. Donc évidemment. Je crois qu'il y a une, deux, oui, trois questions. Parfait, allez-y, vous avez un micro. Juste, Roland Michel-Bézou, Action Cœur Ville. D'abord, merci pour cet échange qui est vraiment stimulant et à titre personnel, je bois du petit lait sur tous les sujets qui sont abordés.
Ils étaient un peu confidentiels il y a quelques années, mais maintenant ils viennent à l'agenda pour faire du franglais. Juste d'abord pour répondre à Quentin, la création du fonds Friche, elle vise justement à compenser les déficits d'opération. Et ça, c'est une très grande nouveauté. Alors, bien sûr, si c'est des trucs à 100 millions, 200 millions, ça devient un peu compliqué. Mais c'est quoi le principe ? C'est qu'on fait toutes les recettes, toutes les dépenses, et quand il y a un déficit d'opération, parce que le marché ne peut pas absorber... c'est sûr que si on fait une friche en centre-ville de Paris ou au centre-ville de Saint-Dizier, ce n'est pas le même niveau de marché. Et quand le marché ne peut pas absorber, le fonds friche vient compenser tout ou partie du déficit d'opération. Et donc, on a par exemple 140 villes, Action Cœur de Ville, qui ont déjà bénéficié d'au moins une ou plusieurs subventions, je suis enroué. Et puis, dans le cas d'ailleurs du rapport, on pourrait très bien, rien que par les villes moyennes, saturer 10 fois le fonds friche, tellement il y a des projets, tellement il y a des enjeux. Donc, il va être augmenté encore par le fonds vert, mais je pense qu'on a vraiment des tels besoins pour requalifier tout ça que il va falloir qu'on bosse tous ensemble pour effectivement que ça devienne quelque chose de pérenne, de structurel et d'un outil qui soit bien sûr de plus en plus opérationnel. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, et je voudrais d'ailleurs, c'était une question que je voulais vous poser sur ce plan, je l'ai très modestement abordé dans mon rapport, mais de redonner quelle valeur peut-on donner aux espaces renaturés ? Bon, effectivement, on voit que et on est quand même sur un sujet qui est peut-être plus facile que le carbone, où on sait, on a connu toutes les dérives spéculatives sur les compensations carbone. Comment, il ne s'agit pas de dire qu'on a des territoires réserves d'Indiens, mais on sait que sur un certain nombre de sites, la seule solution économique, écologique, sociétale, c'est la renaturation, la désartificialisation. Quelle valeur on lui donne ? Le fonds Friche, maintenant, permet de financer une partie de ces opérations. Mais en fin de compte, quelle valeur pour la société on lui donne, et finalement qu'on monétise cette contribution des territoires qui feraient l'effort dans certains cas. Prenons par exemple, on a une ville où il y a 3 zones périphériques commerciales, il y en a peut-être une qui mériterait d'être complètement défaite et renaturée parce qu'il n'y en a plus l'objet pour toutes les fonctionnalités. Quelle valeur on lui donne pour justement rentrer, y compris dans un modèle économique. Et je voudrais enfin... dire que je souscris vraiment tout à fait à ce qu'a dit Lucille Schmitt sur la dissociation du droit de propriété entre le sol et le bâtiment. J'allais presque plus loin, entre la propriété et l'usage. Bon. Et j'ai préconisé dans mon rapport qu'on favorise la généralisation des OFS, par exemple, que vous avez évoquées, mais qui sont plus des interventions publiques dans l'ensemble des villes moyennes qui le souhaiteraient. Parce que là, on voit bien qu'on peut concilier un objectif écologique avec un objectif économique et social qui est de diminuer globalement le prix d'accès à la propriété en France, au sens global du terme, sans rentrer dans le détail juridique. Je peux vous dire que je m'en prends plein la tête, pour dire, pour parler poli. Tout le monde me dit mais que c'est nul, que ça ne sert à rien, que ça ne va. On sait qu'il y a quelques initiatives en France, mais que ça ne marchera jamais dans un pays dont la tradition est sédentaire et agrarienne, etc., où on va être pleinement propriétaire. Moi, à titre personnel, je crois beaucoup au fait que pour nous-mêmes et nos générations futures, il faut avoir une autre approche de l'usage du logement, qui soit davantage un droit d'usage avec, je dirais, la stabilité que ça procure, plutôt que de s'endetter toute sa vie pour après, de toute façon, le redonner en droit de transmission. Alors peut-être, je suis peut-être trop long, mais donc je voulais savoir, en tout cas je voulais appuyer et peut-être faire une suggestion, je ne sais pas si elle a du sens, que même des grands investisseurs privés pourraient aussi s'investir sur ce type de produit pour répondre à la fois, concilier écologie et sociale. On garde cette question en tête, notamment sur la renaturation. On va prendre les autres questions dans la salle, comme ça on... Allez-y, monsieur. Oui, Éric Novak, Microville 112. Juste une petite chose par rapport à ce que disait Quentin Brière tout à l'heure. Quand on dit, oui, mais ça coûte moins cher de refaire du neuf plutôt que de travailler dans du vieux. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'on change un petit peu de sigle quand on parle simplement de ACV, c'est analyse du cycle de vie. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle d'euros. Quelle est justement l'analyse du cycle de la vie quand on détruit un bâtiment qui existe déjà ? De la même chose que lorsqu'on dit de façon très pudique, Isabelle, on parle d'externalité, etc., j'aimerais bien qu'on parle d'euros.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne va pas nous dire « Oui, mais tu comprends, ça coûte moins cher de construire neuf. » On va vraiment comparer le coût, vraiment, de la construction ancienne, le coût du démantèlement, le coût... Et puis après, on va voir si véritablement il y a autant de différences que ça. Et là, effectivement, pour les enfants de nos enfants, je trouve que c'est important. Merci beaucoup. Et la troisième question. Ici. Donc, Maria Boulker, Banque des Territoires. Alors, vraiment, encore une fois, je me joins au remerciement des participants pour la qualité de vos interventions. Je trouve que ce qui est vraiment net dans ce que vous dites, enfin, vous mettez bien en évidence la complexité du sujet et la complexité du défi qui se pose pour les villes moyennes, parce que je contribue au programme Action Cœur de Ville, donc pour les villes moyennes. Une complexité dans la priorisation des interventions, une complexité dans les choix d'usage, une complexité liée au modèle économique et aux pistes, aux perspectives qu'on a de modèle économique, celles que vous avez évoquées sur des logiques de portefeuille, sur des logiques de compensation sont extrêmement intéressante, mais je me répète, c'est une forme de complexité. Et du coup, moi, la question que je me pose, et peut-être sur laquelle je suis vraiment preneuse de vos avis, de vos remarques aussi, parce que la Banque des Territoires intervient beaucoup en ingénierie et en soutien des collectivités sur ce volet ingénierie du programme Action Cœur de Ville, mais voilà, où est-ce qu'on peut intervenir ? Là où, et clairement, l'ingénierie est une réponse à cette complexité, et voilà, là où ma question est, voilà, quelle doit être la tenance de cette ingénierie ? Qui est-ce qui peut l'apporter ? Qui est-ce qui peut l'apporter ? Qu'est-ce qui peut être mobilisé ? Qui est-ce qui peut être mutualisé ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de répondre brièvement avant de rejoindre la base militaire. Peut-être d'abord sur la renaturation et la question de M. Michel Blaiseau. Quelle valeur donner aux friches une fois renaturées ? Alors moi, je ne pensais pas seulement aux friches, en fait, mais en tout cas, je pense que la question de la renaturation est une question ouverte sur la question de la valeur. Vous savez, c'est une question très importante pour les économistes, parce qu'il y a des économistes dans l'environnement et de la nature. C'est quelle valeur donner à la nature et faut-il lui donner une valeur, d'ailleurs, parce qu'elle échapperait, en tout cas, à la valeur financière. Je voulais là-dessus, non pas répondre par une pirouette, mais vous inviter tous à lire un ouvrage remarquable écrit par Luc Bronner, qui dirigeait jusqu'à récemment Le Monde, enfin la publication du Monde, qui s'appelle Chaudin, la montagne blessée, un ouvrage incroyable qui raconte comment au XIXe siècle, un village a disparu parce qu'on avait stérilisé complètement la terre, pas là en l'artificialisant avec du béton, mais parce que on l'avait trop broutée, si je puis dire, enfin voilà, elle avait été épuisée par les troupeaux. Ils ont vendu à ce moment-là leur village à l'État. C'est l'État qui a repris le village. Et c'est devenu une réserve naturelle. Et en ce sens, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous dites sur la valeur de la renaturation, c'est d'abord une valeur, pour le coup, de récit d'imaginaire. Je vous rappelle que lorsque nous étions confinés, nous avons vu la nature reprendre ses droits à la vitesse de l'éclair, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on parle d'énergie et de questions climatiques sur lesquelles l'inertie est énorme, des centaines d'années. On a, sur la renaturation, une chose qui peut nous montrer comment il ne faut jamais perdre l'espoir et comment nous pouvons transformer en 5 ans, en fait, un quartier et une manière de vivre. Donc ça, c'est un point essentiel. La deuxième chose aussi, très rapidement, c'est la question économie et écologie. On voit bien que c'est une autre vision économique qui est en train d'émerger et que l'enjeu par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur les coûts cachés, parce qu'effectivement, on parle pudiquement d'externalité, mais le sujet, c'est les coûts cachés. Et même analyse du cycle de vie, c'est un peu abstrait. Donc, apprenons à analyser les coûts cachés. Peut-être, moi, oui, et les gains cachés, les effectivement. Coûts cachés. Non, mais moi, je suis d'accord. Enfin, il faut qu'on avance sur l'approche coût global, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas comptés. Et donc, il y a les externalités environnementales qu'on peut complètement monétariser. Hein. Mais là, il faut qu'on soit ensemble, parce qu'il y a tellement d'hypothèses méthodologiques différentes qu'il faut mettre en commun ces études-là pour démontrer, et sur des cas très concrets, en fait, hein, pour faire avancer le débat autour de ça. Et sûrement en lien, la réponse à la question de Mme Aboulker, peut-être M. Boss, sur où agir, quand agir sur cette coopération-là ? Je n'ai pas de réponse. Je pense que l'État s'en remet beaucoup au territoire. On attend tout des territoires hein, aujourd'hui. On attend tout des villes moyennes, etc., sans forcément leur donner les moyens. Quelque part, c'est un changement aussi de balancier. Je pense qu'on est à un moment aussi, il faut que le balancier retourne aussi de l'autre côté et que l'État prenne aussi la mesure des choses. J'étais très intéressé par votre remarque sur les questions d'ingénierie. Je pense que c'est encore un peu balbutiant et qu'il y a encore pas mal à faire hein, en la matière. Le sujet est très neuf, on commence à s'en emparer, il commence à devenir médiatique et on voit déjà les limites
voilà, il va falloir une grosse intelligence collective hein, sur ce sujet. Moi, je vais être très franc avec vous. Il y a encore 3 ans, la ZAN, c'était un concept. Voilà, et c'était, je prononçais pas ZAN, mais ZAN, parce que ça, je pensais à une confiserie, comme beaucoup de gens. Mais on est tellement nombreux aussi. Mais c'est en discutant avec des territoires, avec des élus, avec des entreprises, que j'ai pris conscience, d'abord de la défiance qu'il y avait vis-à-vis de la ZAN. Et la réaction de monsieur était très intéressante, parce que on voit aussi que les esprits évoluent et que faut aussi en faire une chance. Simplement, c'est pas facile. On voit le verre à moitié plein aujourd'hui, mais le verre à moitié vide, il reste là quand même. Donc c'est compliqué. Et mais je vous rejoins sur la question de l'ingénierie. Moi, j'ai d'autres questions là-dessus. Je cherche justement les acteurs de l'ingénierie. Je les ai pas encore complètement trouvés. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et donc merci. Voilà.